Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous sommes ici dans le Disneyland Park pour découvrir la toute nouvelle saison, si on peut appeler ça une saison, de la Reine des Neiges. La fameuse saison de la Reine des Neiges. On va vous montrer un peu le merchandising et bien sûr le spectacle, le seul et l'unique qu'il y a tous les jours ici à Disneyland Paris autour de Central Plaza. Thank you.
Il est l'heure de donner notre verdict, notre avis sur la célébration de la Reine des Neiges. Et je veux bien appeler ça célébration, je ne vais pas appeler ça saison, je vais faire exprès d'appeler ça célébration, c'est le titre. Parce que c'est vide, c'est décevant. La musique est top. Alors ça, on peut pas le dire, le remix est juste parfait. Le char n'est pas comme sur la maquette, il est beaucoup plus petit. Par contre, l'animatronique de Sven, une tuerie. Il bouge les oreilles, il tire la langue, il cligne des yeux, il bouge bien. Ça, c'est une tuerie. Le costume d'Anna est bien. Le costume de Christophe est bien. Le remix des couleurs est très bien. Déception d'Olaf, qui est la petite marionnette qui était sur l'ancien char de l'ancienne parade, la parade des 20 ans. Voilà, la Magic Everywhere. Là, c'était le petit Olaf qui était dessus, ils l'ont mis sur la petite barre. Donc voilà, déception de ne pas voir Olaf dans aucun des shows en plus en vrai. Ouais, pour voir Olaf en vrai, il faut faire juste une photo avec Line Bertie. Donc ça, c'est une très grosse déception. Ouais, voilà, déjà, il faut réussir à avoir un ticket. Et le costume d'Elsa, est-ce qu'on peut en parler deux minutes? Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont essayé de faire un mix des deux costumes du film. Ouais, je pense. Et ça n'a pas marché. Et le pire, c'est la coupe de cheveux. Bah, sa perruque, elle est pas alors, très... Vous regardez, dans les parcs américains, quand tu rencontres les gens et à Hong Kong aussi, la perruque est parfaite. Oui, la perruque, elle est parfaite. La perruque est parfaite, là, non. Bon, heureusement qu'il y a animation, célébration avec Frozen, une invitation musicale qui relève un peu le niveau parce que c'est pas mal. Mais sinon, excusez-moi, c'est très pauvre. Et on attend un truc, franchement. On a été mal habitué en fait avec Disneyland Paris, quoi qu'on en dise. On a fait le showstop d'Halloween, c'était magique. Pirates et Princesses, c'était bien. Jungle Book Jive, on n'en parle même pas parce que là, ça a surpassé nos attentes. Mais là, il nous manque un truc, il nous manque un boom. Voilà. On n'a pas ce. C'est décevant, quoi. Il manque un truc. En fait, on a l'impression que ça a été bâclé, en fait. Qu'ils ont fait ça à la va-vite. Alors et pourtant, ça fait un moment qu'ils en parlent. Ils peuvent pas dire qu'ils ont fait ça à la va-vite. On a eu de la chance de voir des concepts en avant-première, des costumes et des performeurs. Et honnêtement, en vrai, ça rend pas beau, quoi. Sur le papier, ça rend bien, mais en vrai, ça rend pas beau. Donc voilà, très très grosse déception pour cette célébration de la Reine des Neiges et non pas cette saison de la Reine des Neiges. Parce que c'est pas une saison du tout, voilà. Voilà, mes streets. On a quand même mis des fagnons sur mes streets. Ouais, voilà. Mais ça manque de déco. Ça manque de déco, quoi qu'il arrive. Mais bon, voilà, on n'est pas emballé. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à aller rejoindre Delphine alias Blondie Bird sur Instagram et sur YouTube. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et vous retrouvez Delphine sur YouTube le samedi. Le samedi. À 10h. Donc, parce qu'avant c'était 9h, mais comme elle se réveillait pas. Mais comme elle se réveillait pas à 9h, donc elle a dit 10h. Mais c'est très bien. J'étais réveillée par une notification des copains qui disaient. Voilà. Bah, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la rejoindre sur ces deux réseaux sociaux. Bien sûr, venez nous rejoindre à nous sur. Sur Instagram, sur le blog. Sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, voilà. Faut s'abonner, activer la cloche. Et voilà, et si la vidéo vous a plu, on laisse un pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Ouais. Bah voilà, nous vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Aventures galactiques les prochaines. Ouais.